Il faut que je puisse pécho Blair en fait. Parce que regardez, si on réfléchit stratégiquement les gars, Blair elle a beaucoup d'abonnés. Donc si jamais j'arrive à la pécho, je pourrais commencer à faire des vidéos en couple avec elle. Puis après, quand on va se disputer et qu'on va rompre, on fait une vidéo de rupture. Comme ça, après on fait plein de vues et on fait plein d'argent. C'est incroyable comme plan, c'est imparable. Bonsoir à tous, comment ça va? Pour ceux qui viennent d'arriver et qui se demandent pourquoi nous ne sommes pas au studio, c'est très très simple, je suis en télétravail. J'ai demandé à la direction de la H-Corp, qui est mon entreprise, composée d'un patron absolument génial, charismatique et incroyable. Et ce même patron m'a autorisé à streamer depuis la maison ce soir. En gros, ce soir les gars, on va partir pour un jeu qui s'appelle YouTubers Life 2, qui est une sorte de simulator. On mène la vie d'un YouTuber et notre but ce sera de devenir riche et célèbre sans sombrer dans la coke. Ah, ça va être dur. Moi, je pense qu'on va faire un autre truc pour ce soir. On va faire un petit stream spécial objectif dating. Notre but sera de pécho quelqu'un, de nous marier avec et de vivre heureux et faire beaucoup d'enfants. Et on va attaquer tout de suite. Xavier qui nous dit félicitations, tu es le premier à terminer YouTuber's Life, une expérience sociale pour dénicher les futurs YouTubers les plus prometteurs. Le potentiel a attiré notre attention et nous t'offrons donc un billet en or pour venir vivre à YouTube City, la ville où vivent les meilleurs YouTubers. Où voulez-vous vivre? Centre-ville, le quartier high-tech connu pour ses magasins de jeux vidéo et de composants informatiques. On est streamer, on est en partie YouTuber gamer à côté. Franchement, le centre-ville, hein, c'est débile comme question. En fait, c'est comme si on me demander d'habiter soit à Paris soit à Orléans, tu vois. Bien sûr que je vais habiter Paris. Alors, désolé pour les Orléaniens qui regardent la vidéo, c'est... c'est pas contre vous, mais on va pas se mentir, hein. À part la place du Martroix, y'a pas grand chose, quoi. Nous allons commencer à apprêter ton appartement. Habille-toi comme un vrai YouTuber et on se verra là-bas. Alors attends, ça va être compliqué parce que... Ouais, on est bien là, hein. Je pensais pas que le jeu arriverait à retranscrire ma barbe digne de Zeus. Bon, la coupe de cheveux maintenant. Ça, en vrai, ça peut être ma vraie coupe, regardez. Bon, là, attendez, putain, merde. Allez, c'est bon, on va partir sur cette coupe-là. Le casque, je suis mort. Inscrivez-vous à mon OnlyFans. Allez, c'est parti, ça, c'est le Razer Kitty, ça. Je vais juste changer les lunettes, en vrai, parce que je me dis qu'on pourrait faire mieux. Qu'est-ce qui ressemble le plus à mon style? Ouais! Là, on est bien! Ouais! Là, c'est totalement mon style. Retourne dans les bas, il y a une magnifique jupe. On dirait, tu sais, les TikTok, là, avec les meufs qui font des déhanchés comme ça, là, tu sais. Vas-y, c'est bon, on part sur ça. Nous voilà à YouTube, les gars. La ville du succès, de la richesse et du buzz. On va ouvrir le colis, le petit cadeau que Xavier nous a laissé. What the hell? C'est quoi ce truc? Saisissez le nom du drone. Appelle-le Kevin. Vous avez gagné, on va l'appeler Kevin. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je serai là pour vous enregistrer et vous aider chaque fois que vous aurez besoin de mon aide. Première étape, apprendre à enregistrer des vidéos. Et avant cela, vous devez créer votre chaîne YouTube. Déjà, je m'appelle... Bon, on va donner notre vrai nom. Henry Girl. Ouboof. Ah ouais, tiens. Ouboof Henry. Allez, c'est parti. Il s'agit d'un point d'enregistrement dont vous pouvez vous servir pour enregistrer vos vidéos. Utilisez le point d'enregistrement pour vous enregistrer votre premier vlog d'introduction à la chaîne. Ok, c'est parti, on est en mode Lena. Go faire les vlogs d'août. Vous dites timidement bonjour, vous entrez plein d'énergie. Ok, donc ça commence par un « Comment ça va YouTube ?» Donc ça veut dire que c'est une entrée pleine d'énergie. Vous pensez que c'est une bonne info, vous persistez? Vous flattez, écoute, c'est bien, apparemment. Un esprit frappeur apparaît et vous jurez. Ah oui, il faut tirer des grosses têtes, hein. Il faut tirer des grosses têtes bien énervées, hein, pour que ça clique. Demandez à avoir des abonnés. Bien sûr qu'il faut demander des abonnés, on est là que pour ça. Voilà, écoutez. Pourquoi il tire une sale tête? Mais du coup, j'ai fait une bonne vidéo ou j'ai fait de la merde, là? Premier vlog terminé, les frérots. Nous devons publier notre vidéo sur YouTube. Et tout d'abord, nous allons la retoucher un peu en modifiant sur votre ordinateur. Cet outil est l'éditeur de vidéos. Vous pouvez l'utiliser et éditer vos vidéos en y ajoutant une touche personnelle. Très bien. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire le montage. Donc, comment je peux savoir qu'est-ce que je dois mettre en premier? Ah, je pense que c'est ce principe de puzzle, regardez. C'est ça l'intro. Donc là, on est bien. Ensuite, ça veut dire que le clip numéro 2, il vient là. Et attends, logiciel! Laisse-moi faire le logiciel! Il est catastrophique! Alors attends, là il y a un problème là. Pourquoi il manque un rush là? Je crois que mon disque dur a été corrompu, il manque un rush. Attends, modifier. Non, c'est normal. Regarde, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai dépensé de l'argent là? Bah écoutez, je crois que j'ai fini le montage. La vignette de la vidéo. Y'en a aucune qui est bonne. Hein. En fait, pour qu'une vidéo clique, il faut faire des têtes où genre t'as l'impression que t'es étonné, ou alors que t'es effrayé, ou alors que t'es très content. Bah alors du coup, ce sera plutôt celle-là. Tu vois, le visage est dégagé, il sourit. Ajouter un titre pour la vidéo.
ça m'a l'air d'être un bon titre de vidéo. Un mec en soutien-gorge avec une jupe qui dit 10 000 fois Squeezie. Oh non, merde. Ah non, mais sur le papier, c'était censé marcher. Salut Henri Tran. As-tu constaté que les vidéos les plus à la mode parlent de jeux vidéo? Pour enregistrer ce type de vidéo, tu dois installer un coin jeu chez toi. On est déjà un tout près que tu peux installer n'importe où dans ta maison. Ok, c'est un coin jeu ça? Là, on est bien là. En fait, je t'ai commandé un jeu et une console pour commencer. Va discuter avec Blair, la fille du magasin du jeu vidéo Player One. Elle te les remettra. Ah, les gars, je vous avais dit que de base, on voulait sortir avec une fille, mais peut-être que Blair sera notre love interest. Player One, let's go. Bon, voyons voir si Blair est mignonne ou pas. Franchement, ça va, hein. Ah là, je suis prêt à faire une duo botlane, là. En quoi puis-je t'aider? Je suis venu au nom de Xavier. Tu es le nouveau YouTuber de la ville. Bien, Xavier m'a appelé pour me demander de te donner ça. Voilà la console Honey Play Studios One et le jeu Deity of War. Ah bah super! On va pouvoir commencer à faire une vidéo dessus. Allez, c'est parti, go faire du gameplay. C'est quoi? On va faire timidement bonjour cette fois-ci. Ok, ah, j'ai capté, ok, donc vous disiez, il fallait remplir le plus d'icônes possible, en fait. Trois remplis à fond! J'ai fait une super vidéo, les gars. Ça, c'est la vidéo qui va faire décoller ma carrière. 7 pouces bleus, c'est bien, ça! Le score est pas mal, hein. Ah, j'ai plus d'énergie! Oh, il est un peu faible, là, quand même. Salut, je me suis dit que tu serais affamé après avoir enregistré et édité tant de vidéos. Alors je t'ai envoyé quelque chose à manger, profite bien. Yes, ça fait plein d'énergie. Go pécho Blair. Attends, on va essayer d'aller pécho Blair. Tu veux parler? Le gamin de l'AFK meurt toujours d'envie de faire de nouvelles rencontres. Moi par contre, non. Ah! Tu sais, quand on regarde un étranger dans les yeux, on aspire son énergie vitale. Sors d'ici, vampire. Mais je veux juste faire connaissance. Mais attends, mais je vais finir. Donc là, en fait, je suis en train de harceler. 10 seconds later. Ah, maintenant tu es dehors. Oh, mais Blair, tu n'es plus au travail. On peut aller se boire un verre, non? Blair, va au bar. Let's go. Si cela te dérange pas, j'ai l'intention de prendre un verre avec mon ami Adam. Qui est Adam? Hors de question que j'ai de la concurrence. C'est lui, Adam. Oh merde, il est quand même vachement beau gosse. Je n'ai pas le temps de discuter. Je dois donner un coup de main à ma maman dans son magasin de fleurs. Bah va pas au bar alors. Ok, alors bonjour Henri. Savais-tu que l'événement que tous les youtubeurs attendent sera organisé en ville la dernière semaine du printemps? Tu ne dois pas manquer la PlayCon si tu veux te faire connaître. Bon, on va faire un vlog à la PlayCon, c'est tout. Avec l'application InstaLife, un réseau social qui te permet de partager instantanément des photos, il t'aidera également à te faire connaître dans la ville. Ok, donc du coup, c'est pour faire des stories, ça. Attends, mais c'est Blair! 14 000 j'aime! Mais il est beaucoup plus connu que moi! Il faut que je puisse pécho Blair, en fait. Parce que regardez, si on réfléchit stratégiquement, les gars, Blair, elle a beaucoup d'abonnés. Donc si jamais j'arrive à la pécho, je pourrais commencer à faire des vidéos en couple avec elle. Puis après, quand on va se disputer qu'on va rompre, on fait une vidéo de rupture. Comme ça, après, on fait plein de vues et on fait plein d'argent. Allons à la PlayCon. Let's go, on y va. Est-ce que je peux prendre une pause? Oh, la pause de e-girl. Ah, là, on est bien. C'est la meilleure légende, je ne veux rien savoir. Allez, publication. Oh, 600 j'aime. Alors, attendez, madame. Ah, il faut que j'achète un ticket. Combien ça coûte? 1000 balles. Mais comment je fais pour avoir de la thune? Déjà, dors, travaille, tu dois faire un boulot. Quoi? Je dois travailler? Comment ça, je dois bosser? YouTuber, c'est mon métier. Henri qui découvre un autre style de vie. Allez, go faire une petite commission. Raven demande une photo pour InstaLife. Je veux pas être photographe, je veux être streamer. Et en même temps, elle paye 200 balles. C'est quoi? Je vais aussi prendre la commission pour la livraison. Blair demande une photo pour InstaLife. Ok, on va la prendre. On va aller à Player One et on va prendre la photo, ok? En train de vivre ma meilleure vie à Player One. Je pense acheter Armand Nucleus et Watch Cats. Ça, c'est la vraie hashtag ad, ça. Oh, 2284 gems. Oh, le buzz. On a réussi la quête, effectué une commande. On a gagné de la thune. Blair a demandé une photo pour InstaLife. C'est terminé aussi. Ok, bah nickel. Oh, elle est jolie, elle. On dirait une dresseuse Pokémon un peu, vous trouvez pas? Salut. C'est vraiment agréable de voir votre visage. Ravi de faire ta connaissance, Henri Tran. Je m'appelle Joy. Ma mère possède le restaurant Vikraken. Blair, à côté, elle pue. Mais c'est vrai, les gars, mais 100% je drague Joy en fait. Ah oui, on joue sur plusieurs tableaux, hein. C'est la base d'être youtubeur. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Je ne me lasse jamais d'acheter des jeux. Tu devrais voir la collection que j'ai chez moi. Ouais, j'aimerais voir autre chose chez toi aussi. Faudrait que je puisse faire une vidéo sur Watch Cats, les gars. Donc là, je viens d'avoir 200 balles, je peux m'acheter Watch Cats en fait. Regardez, on s'achète Watch Cats et après on fait une vidéo dessus. C'est quoi le prix? 68 balles? Putain, 70 boules quand même. Pff, ouais, on va enregistrer une vidéo. Mais on est clairement un youtubeur gaming en fait. Ok, il y a moyen d'avoir 3 icônes remplies, les gars. Je suis le meilleur youtubeur Watch Cats, les gars! La vidéo, elle va être banger, les gars. Je pense que là, ça clique. Publie la vidéo. Oh, le buzz! Les gars, on a progressé au niveau du score, hein. En vrai, le jeu est bien rythmé, hein. C'est pas pour... Le problème d'Inoxtag. Rencontrer un youtubeur de premier plan peut toujours apporter de nouvelles opportunités. Allons le trouver dans le quartier du centre-ville. Il y a Inox dans le jeu, what the fuck? Attends, il est où? C'est lui? Wow. Oh, ils m'ont vraiment pas loupé, hein. Frérot, c'est pas Inoxtag, là, c'est Inoxlag. What the fuck? Oui, la musique coule dans mes veines. En fait, je suis venu à YouTube City pour tourner mon prochain clip. Je dois rassembler autant d'youtubeurs pour qu'ils dansent avec moi. Et si on prenait ensemble pour la rendre virale sur InstaLife? Vas-y, let's go. Oh là, c'est cool, là.
Wouah, 4400 j'aime. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe sur Insta Life? Les fans ne répondent pas aux messages. Aucun youtubeur ne veut danser dans mon clip. Ils ont négatif, Inox Tag. Les fréquences AirTake ont interféré avec le message. C'est pour ça que la photo n'est pas devenue virale. On peut se retrouver au AirTake. Attends, il faut que j'aille au AirTake pour changer les ondes. Attends, déjà, je vais m'habiller avec un peu plus de flow. Oh, mais c'est giga cher, wesh. Oh, viens, on a une dégaine de mec normal. On va enfin avoir une dégaine normale. C'est bon, je suis enfin une personne normale. On va rentrer pour résoudre le problème. Les mêmes gardes m'ont laissé entrer sans autorisation. Mais encore une fois, j'aurais besoin de ton aide. Pourquoi ne pas nous trouver des uniformes de garde pour nous faire passer pour la relève? Bah, il faudrait aller au Geekmania, là, chez Oh, c'est ça qu'il faut. Attends, mais c'est giga rush. Demande-lui directement, tu penses? Je cherche un costume d'agent de sécurité. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh, let's go. Il nous l'a offert. Ok, c'est bon, les gars. Je peux rentrer dedans. On va sauver Inox Tag. Vous voyez comment l'appareil Ear Brain Laser? Salut, mais c'est un. J'allais organiser une fête pour le présenter. Et quelque chose de grave est arrivé. Je ne veux même pas savoir ce que ça veut dire. J'ai perdu toute mon énergie. On dirait que quelque chose aspire leur énergie. Devront trouver un journal de recherche. Ils racontent sûrement ce qui s'est passé. Attends, ah, il est là. Il est là. Voyons ce que le journal dit. J'ai effacé la capacité à ressentir du bonheur de toutes les personnes présentes à l'événement. Ah, c'est pour ça que personne like en fait. Et si on demandait à DJ Fox pour qu'il fasse un show? Qu'est-ce que tu veux? Fais un spectacle contre la déprime généralisée. Oh putain, la transition. Il est vraiment nul comme DJ. La musique de DJ Fox a des pouvoirs magiques, tu vois. Maintenant tout le monde danse. Faut profiter de la fête en fond. Enregistrons un vlog. Oh, un vlog avec Inox Tag, let's go. Je vais buzzer. Oh non, je crois que je vais faire une vidéo de merde. Oh, la vidéo de merde que je viens de lâcher. Oh là là. Oh, la vidéo de merde alors que j'étais avec Inox. Attends, est-ce que je peux en retourner une à votre avis ou pas? On refait, hein. Non, j'ai pas pu refaire. Donc là, ma carte SD, elle a rien retenu là. J'ai pas pu garder les rushs avec Inox. Oh, j'ai envie de crever. J'ai loupé un vlog avec lui. T'es trop con. Bah non, bah depuis tout à l'heure, lorsque tu abandonnes un rush, tu peux recommencer la vidéo. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà joué au jeu? Inox Tag, il ramène combien d'abonnés lorsque tu fais un vlog avec lui? 4K abonnés? Mais non, vous mentez. Oh putain, j'ai loupé 4K abonnés sur mon erreur. Mais Henri n'a pas dit son dernier mot. Après s'être pris un râteau par Blair, après avoir manqué la chance de sa vie pour devenir youtubeur, il va maintenant accomplir son but ultime. Sortir avec Joy. Bon, elle est où, Joy? Elle est au Kraken. Je vais essayer de la draguer. Wow, Henri Tran, tu m'as fait peur. Je suis dans ma propre bulle aujourd'hui. Est-ce que je peux lui faire un cadeau? C'est pour moi? C'est si gentil de ta part. Merci. Oh! Oh! C'est bon, je termine pas le live tant que j'aurai pas pécho Joy, ok? Go draguer Joy, c'est tout ce qui m'importe. Les célibataires, les gars. Son anniversaire demain? Ah ouais? Je vais lui acheter une écharpe, un truc comme ça, c'est pas mal, non? C'est bien ça! Une petite tenue d'été, sachant que son anniversaire c'est le printemps. Si après ça elle tombe pas amoureuse, si je vais dormir directement, on va lui offrir le cadeau. Ok, c'est bon, c'est son anniversaire. Ok, faut que je zone le port pour la retrouver. Oh! Elle est là, ma beauté. As-tu déjà essayé le milkshake arc-en-ciel, mec? C'est génial. Oh, je fais comment pour lui offrir? Je peux pas offrir de... Oh, elle aura une pizza pour son anniversaire. Ah non, 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 je sais. On lui prend un milkshake et on l'offre. Là, elle va tomber amoureuse. Là. Joyeux anniversaire. Miam, c'est l'un de mes préférés. Merci, Henri. Le cœur est rempli, maintenant. Une personne appelée Zixi m'a écrit pour me dire que j'attirais trop l'attention avec mon projet Wikidrips. Il dit que j'ai de toute urgence besoin d'un mentor et d'un génie en informatique qui puisse m'apprendre les solutions dont j'ai besoin. Si je te donne ma carte Wikidrips, penses-tu que tu pourrais m'aider à en trouver un? Mais je m'en fous. Je veux sortir avec toi. Relation amicale. Ok, ok, les gars. Fin de la vidéo, rip. On a... Voilà, c'est triste, on n'a pas réussi à le faire. On a joué 4 heures pour se faire friendzone. Moralité, ce jeu est un jeu de merde. Envie de crever. Bon, en tout cas, j'espère que le jeu vous a plu. Moi, personnellement, je pense que je vais faire d'autres streams dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch. Aussi, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.